Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Pourquoi? Parce que le ciel est dégagé, parce que la pelouse a été pichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Je peux vous dire que s'ils les reproduisent en match, on va se régaler. Bref, l'ambiance est magnifique et on espère forcément entendre ce stade vibrer au rythme des très nombreuses occasions. Au passage, j'espère que vous appréciez ce stade. Plus un siège de vide. Et c'est donc parti. À votre avis, Darren, qui fera la différence dans cette rencontre? Je voterai pour Pep, l'un des personnages les plus... Oh, l'inspiration! Et but pour Porto! Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. Non, on ne s'attendait peut-être pas à une ouverture du score si rapide dans ce match. Sanson. Il écarte, ça joue long. Thauvin. Payet. Ça joue à gauche. Ça peut partir en contre. En retrait pour repartir proprement. Et c'est directement récupéré. Vous avez remarqué comme les latéraux montent, quoi? Oui, c'est vrai, mais je suis sûr que ça correspond à une tactique précise, non? À mon avis, c'est pour forcer les ailiers adverses à redescendre. Plus ils sont loin de votre cage, moins ils peuvent causer de dégâts. Il était bien présent. Mbemba. Pep. Le gardien loin devant. Quelle intervention de Tchaletazar! Il enchaîne les dribbles. Et il prend sa chance! Bien repoussé par le gardien! Quelle classe! C'était un arrêt extraordinaire! Premier corner dans cette rencontre. Et le ballon est dégagé. Porto qui peut avancer. Allez. Pep. Voilà qui met un terme à cette première période. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Il peut faire beaucoup mieux que ça. Peut-être que ce but encaissé va leur servir de déclic. On verra bien. Allez, on est reparti. L'Olympique de Marseille n'a aucune raison de paniquer. Il reste quand même 45 minutes pour jouer, pour revenir dans cette rencontre. Il joue long sur le côté. Payet. C'est joué long, attention. Il tire. C'est un spécialiste des frappes lointaines, celui-là. Et ils le savent. Alors, s'il lui laisse de l'espace, bien sûr qu'il va tirer. Dans la profondeur. Il va frapper. Allez, jusqu'au bout. Et l'arrêt est magnifique. Oui, il était bien concentré. Bravo. La frappe. C'est dégagé très loin. Le gros dégagement.
Marega qui interrompt cette longue séquence. Bien joué. Et dégagement du gardien. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Camara qui cherche à construire. Il tente sa chance. Aucun danger pour le gardien. C'est vraiment une équipe qui excelle en contre. Et la défense ferait bien de s'en souvenir. Il perd l'équilibre. Sergio Oliveira. Bonne lecture de la trajectoire. Il allonge vers l'avant. L'Olympique de Marseille qui récupère ce ballon. Bien tenté. Il cherche son coéquipier. Thauvin. Bien, la profondeur. Ça peut faire mal. Ils sont passés tout près d'égaliser. Il avait tellement envie de marquer qu'il a peut-être un peu forcé son geste. Le jeu s'arrête, le temps de procéder à un changement. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Là, ils cherchent à tuer le match, c'est normal. Ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquille. Oh, la frappe ! Ça fait but ! Oh, ce but au meilleur des moments possibles ! Il remporte son duel avec le gardien et ce geste parfait ! C'est super bien joué, ça. Il savait exactement ce que le gardien allait faire. Ils ont certainement assuré la victoire avec ce but. Dans la profondeur, bien vu. Il va au duel. La tentative ! Ça s'est joué à rien. Thauvin adore ce genre de position pour tirer. Alors dès qu'une occasion se présente, il pilonne. Et c'est bien normal quand on a son talent. Le ballon dans la profondeur. Oh, il faut frapper! Et l'arbitre siffle la fin du match. Une superbe rencontre et malheureusement, ils doivent s'incliner, mais ils n'ont pas grand-chose à se reprocher.